Il met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte masse et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les battent tous pour les réduire en compote. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca baffe, écrit d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo. Shizo a plein d'adversaires, Bulle de Bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo, Shizo, Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo, Shizo, Shizo. Tous aiment Shizo. Hey. Shizo, Shizo, Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo, Shizo, Shizo. Y'a que seul Shizo. Quatre salto avant pour commencer. Oh, joli. La figure de super-héros. Vas-y, lâche rien. Je rentre quelques tailwhips. Ah, ouah. Ça crampe. Ah. Salut, jolie fleur. Les fleurs sont pour les abeilles. C'est très juste, car les abeilles aiment le sucre. Pareil pour moi. Ah, dans tes rêves. Ça va, Amanda? J'ai une faveur à te demander. Vas-y, envoie. Étant donné que tu es la présidente du fan club de Shizo, et que tu sembles être toujours dans le coin où Shizo apparaît, est-ce que tu pourrais me la présenter? Reviens ce soir à l'heure du dîner, Shizo sera là. Oh, c'est pas une blague? Parce que je serai prête à faire n'importe quoi pour l'interviewer pour le journal de l'école. Ce qui tombe bien, parce qu'il y aura une toute petite rikiki condition. De quelle toute petite rikiki condition tu veux parler? Si je parviens à t'arranger une interview avec Shizo, tu devras publier en première page un article sur Maz et moi et nos nouveaux BMX. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais me trouver une tenue pour ce soir. Super. Guy, t'as intérêt à faire super gaffe. T'inquiète pas, j'ai mis un casque. Non mais je te parle de conserver secrète ton identité. Vanda fourre toujours son nez partout. Détends-toi, Kelly, je contrôle la situation. Mon amour, cette terrine végétarienne au soja constitue un véritable plat en soi, bravo. Arrête de me faire du plat, veux-tu? Je n'arrive même plus à me souvenir la dernière fois qu'on a dîné comme ça en amoureux, tellement ça doit remonter à loin. En effet. Où sont passés les enfants? Oh, ils sont en train de dîner dans le patio. Ils voulaient manger tranquillement entre copains. Ça va être un dîner passionnant. Toi alors. Et donc, où est-ce qu'elle est? C'est vrai, Sagi, elle est où, Shizo? Oh, j'en sais rien, moi. Elle devrait déjà être là, normalement. Je vais aller lui passer un coup de fil. Attends, tu as son numéro perso? Il a bien plus que son numéro perso. C'est pas croyable comme cette terrine de soja peut avoir bon goût, dis donc. Vas-y, ma poulette. J'aimerais savoir quel genre de fourberie tu es en train de mettre au point. Non, mais je fais rien de spécial, on dîne juste entre amis. Quoi qu'il en soit, reste bien sur tes gardes. Vanda travaille pour un journal et on ne peut pas laisser le monde découvrir ton chicret. Parce que si ça arrivait... Et c'est très simple, toi et ta famille seriez forcés d'aller suivre pour le restant de vos jours le programme de protection des super-héros, programme qui a lieu sur la Lune. Bah ouais, quand même, je ferai en sorte qu'elle ne découvre rien. Oh. Est-ce que tu vas manger ça? Salut, mon nom c'est Shizo. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Tu t'appelles Vanda. Ah oui, voilà, Glenda. Ravie de te rencontrer. Moi également. Force incroyable, ça c'est fait. Tu fais quoi d'autre encore? Montre-moi de quoi t'es capable. Très bien, accroche-toi. Yeah. Non mais quel crâneur. Continue, t'arrête pas. C'est bon, t'es prête? Même pas peur. Est-ce que t'as d'autres questions à me poser? Oui, tu as rencontré Guy dans quelles circonstances exactement? D'ailleurs, tiens, en parlant du loup, je me demande où il est passé. Oh, Guy, Guy se sentait un peu patraque. Oui, la terrine végétarienne et lui ne se sont pas trop entendus. Oh. Ne prends pas note de ça. Allons faire un tour de pâté de maison en chimobile. Ah.
quoi, là? Une légère modif chimélectronique et mécanique du schéma véhiculaire. Hein? Schéma quoi? En d'autres termes, lorsqu'on était en l'air, la chimobile s'est transformée en jet supersonique. Alors bienvenue à bord. On y voyage toujours en première classe. Des noisettes? Signal d'alarme, signal d'alarme. Un feu a été signalé à l'angle de la 5e et de Morning Glory. Quel scoop brûlant! On fonce! Oh là là, je suis super excitée! Ma toute première mission avec Shizo! Allez, il faut que j'y aille. Si je ne suis pas de retour parmi vous dans 5 minutes, patientez un peu. C'est là, tu prends la barre. D'accord, mais avec quelle main? Tu attends vraiment une réponse de ma part? Non. Allez, je me jette dans le feu de l'action. Propulsion du siège éjectable. Oh, par le prix Pulitzer, Shizo est tombé de l'avion. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon? Désolée d'avoir gazé ton amie Kelly, mais vraiment, je ne pouvais plus la supporter. Non, t'as très bien fait. Est-ce un sac poubelle ou est-ce un ange? Aucun des deux, c'est Shizo. Je veux les mêmes bottes. Shizo, dépêche-toi! Ça y est, j'arrive, Megadale, me voilà! Faire du parachute en jupe, c'est moyen. Ah, je commence à avoir très chaud aux fesses. Bonne chance, les mecs. Très jolie réception, à laquelle je mets un 10. Mais je te mets 10 sur 1 milliard. Shizap, triste clown vert, je voulais dire clone. Que viens-tu faire ici? Faut toujours que tu poses des questions débiles, c'est plus fort que toi. Allô? Je suis ton côté sombre, tu te souviens pas? Et si je suis venu ici, c'est pour semer le chaos. C'est moi qui te mettrai KO, Miss Moisissure. T'essaies encore de te payer ma tête, Shizap? Je te signale qu'on a déjà la même tête, ma petite saumonnette. Rouge à lèvres laser. Faire à friser les moustaches. Il est hyper balistique. Mon beau miroir de poche, mate-moi cette tête de pioche. Waouh. Mais d'où tu sors un coup pareil? Rejoins-moi du côté obscur et je t'apprendrai à en faire autant. Ok, d'accord. Tu acceptes? Waouh, c'était facile. Tu me prêteras ta chimobile pendant qu'on y est? Non. Et en échange, tu vas me rendre un petit service. Quoi? Comment tu te sens? Je n'arrive pas à croire que je me sois évanouie. Et pourtant, t'étais toute comme ça. Je te remercie. J'ai tout noté très scrupuleusement. J'imagine que l'interview est maintenant terminée. Eh bien, en fait... il y a une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Non, non, n'insiste pas, je ne sortirai pas avec toi. Tu peux toujours rêver. Non, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi je ne peux jamais parler à Guy et Shizo en même temps. Guy et Shizo? Les deux en même temps? Voilà, est-ce que j'ai bafouillé? Non, t'as été très claire. Non, mais c'est faisable, sans aucun problème. Je vais chercher Guy. Des noisettes? Guy, je crois sincèrement que c'est une mauvaise idée. C'est vrai, parce que personnellement, je trouve cette idée absolument géniale. Psst. Salut, moi! Est-ce que je vais bien? Je vais bien. Tu te souviens de notre accord? Bien sûr que oui. Comment aurais-je pu l'oublier? T'avais raison. Ces noisettes sont tout à fait délicieuses. Tu devrais écrire un article sur moi et mes noisettes. Je le savais. Shizo et Guy Hamdon ne peuvent pas être présents au même endroit en même temps. Toi, tu me dois 1 dollar. Tu nous casses un peu les noisettes, Vanda. Ce qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est le fait que Shizo et Guy soient en réalité qu'une seule et unique personne. Je vais m'empresser d'annoncer la nouvelle au monde entier. Très cher prix Pulitzer, attention, me voilà. Flash spécial. Tu vois, je ne te mentais pas quand je te disais qu'il avait mal au ventre. C'est vrai que t'as l'air un peu verdâtre. Et toi, pour le coup, tu as l'air un peu stupide. Un peu, c'est encore trop gentil de ta part. Accorde-moi cette faveur, n'écris pas d'article sur moi, s'il te plaît. Si ça te fait plaisir. Et à la place, écris-en un sur Maz et Guy et leur super nouveau BMX. Si tu veux, là, j'ai juste envie de partir d'ici. Maintenant, es-tu prête à m'accompagner pour aller répandre le chaos? T'as quand même pas passé un pacte avec le diable, Shizo. Tu sais bien qu'une fille doit faire ce qu'elle a à faire. C'est une manière maligne de présenter les choses. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on choisit de frapper en premier, ma belle? On se fait une banque? On fait s'écrouler un pont? Ou bien je me contente de te découper en rondelles?
Pourquoi pas? Cela dit, j'ai aussi une idée derrière la tête. Crème écran total super hydratante. Tu pensais vraiment que j'allais faire... Je te jure que tu me paieras cher le terrible affront que tu viens de me faire subir, Shizo. Et toutes tes petits amis également. C'était bien poilant. Bien poilant? T'as trouvé ça bien poilant? Tu te rends compte que t'as été à deux doigts de te faire démasquer et que tu as accepté de signer un pacte avec ton côté obscur? Et ça prend encore plus de valeur quand c'est toi qui le dis, Kelly. Waouh! On fait la une, mec! C'est notre place attitrée! Salut à tous mes fans! Venez demander votre autographe juste ici! Ça ne coûte qu'un dollar! 57? Un autographe? Uniquement si c'est toi qui me paies. Je vais t'en demander un après tout. Et voilà! Ah ah, c'est à pleurer de rire! Oups! Oh, je suis certaine que tu l'as fait exprès! Je suis pas en retard, je suis pile poil à l'heure. Hé, ton oreiller est tout mouillé. C'est parce que je bave dessus en dormant. Ça fait mal de le reconnaître, petit frère, mais franchement, ton flash mob, il déchire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ramassis des cervelets sans ailes. Apprenez que je suis le pigeon. C'est le pigeon. Vous allez sans plus tarder payer le prix fort pour avoir ainsi gaspillé tant de plumes innocentes. Et pour être le plus souvent méchant envers les oiseaux, nous ne sommes pas des vilains rats pourvus d'ailes. Non, nous sommes des dieux. Et après, tu comptes faire quoi? Nous picorer? On n'a vraiment pas peur de toi. Ouais. Voler. Ah d'accord, là on a peur. Oh, sors de là, sors de là.
Tu dois faire quelque chose. Et Fissa, couvrez-moi. Vous... Que la pluie de la terreur s'abatte en cet instant. Qu'est-ce que c'est que ce machin tout collant? Et sa schlingue? Il s'agit de la neurotoxine de la peur, connue sous le nom de la pluie de la terreur. Et on s'en débarrasse de quelle façon? Comme cela. On recommence? Non, mais on va faire comme si. Alors, de quelles infos on dispose sur cette cervelle d'oiseau, Sheila? Le pigeon est un pur produit des déchets toxiques, un mutant très puissant qui donne dans l'activisme volatile. Il se bat pour le droit des oiseaux? Oui, il se bat notamment pour qu'on interdise la pose de baies vitrées sur les gratte-ciels. Je dois déterminer où il frappera la prochaine fois. Vas-y, ma poulette! Oh! Oiseau mutant, maléfique, gare à vos plumes! Cui, cui! Laisse-moi deviner, Capitaine Dodo. Non! Aujourd'hui, je suis la Caille Canaille. Volons jusqu'à la Chimobile. Oh, regarde comme c'est chignoble. C'est un spectacle de désolation. Cette pluie de la terreur a laissé des traces partout. Mec, y a un truc qui va pas? Ton corps est en train de réagir aux neurotoxines? Non, je reproduis juste les mouvements d'un pigeon afin d'adopter l'état d'esprit de notre méchant. Oh, et est-ce que ça marche? Tu en retires certaines choses? Oui, un joli torticolis. Oh. Attends. Je sens que ça monte, un intense sentiment piafesque me gagne. Ça y est, je suis connecté. Demande-moi n'importe quoi sur les oiseaux. La Caille Canaille, où les oiseaux aiment-ils traîner? Aux stations de lavage auto, et partout où on trouve des miettes de pain. Regarde ça. Il y a une vente caritative autour des lavages auto et des miettes de pain. Shizu! Oh, j'arrive pas à croire que Maz se soit permis d'éventrer mon oreiller pour se fabriquer un pauvre costume d'acolyte. Un pauvre costume? Je trouve que c'est l'un de ses plus réussis. D'accord, mais regarde-moi ce chantier. Attends une minute. Ceci n'est pas une plume d'oreiller. Oh. Effectivement. Exactement ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est? Ceci appartient en fait au pigeon. C'est même une de ses plumes volantes de la peur. Oh, comment elle est arrivée ici? Elle a dû aller se nicher dans les replis d'un vêtement de Maz quand vous avez rencontré le pigeon. Je vais analyser son ADN et extrapolerai le moindre critère ayant trait à une adynamie dormante. Hein? Je vais déterminer son talon d'Achille. Ah, trop cool! Je veux bien aider. Maz! Enfin, je veux dire, la Caille Canaille! Volez! Attends, tu vas pas me filer que deux billets? Désolé, mais je suis sur la paille! Oh, oh non! Pas sur ma Chimobile! Je sais, j'ai la gâchette facile! Volez! Shizu! Super parapluie chilastique de combat! Voilà! Joli glisse, très propre. Merci, tu sais, c'est comme faire du snow sur une piste. Non! Coquelin, mon fils depuis longtemps disparu. Où est-ce que tu étais passé? Bah, au collège de Megadale. Je pensais avoir vérifié. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je crois qu'il y a un léger quiproquo sur... Ne dis plus rien. Je te ramène à la maison. Bon sang, à quoi me sert cette cape si je peux même pas voler avec? Shizu, nous avons identifié le point faible du pigeon. J'ai trouvé son point faible. Et alors? C'est quoi? Les statues. Quand il envoie, il n'y résiste pas. C'est génial! Beau travail, Sorette. Dis donc, Coquelin, ne t'ai-je pas appris quelque chose sur le fait de parler quand tu as la bouche pleine? C'est-à-dire que tu ne m'as rien appris du tout, vu que tu n'es pas mon... Resserre-toi! Comme ça, plus tard, tu deviendras grand et fort comme papa. En fait, si tu fais abstraction du côté visqueux, ça a plutôt bon... Bien, mon garçon. Papa va maintenant aller te chercher le plus gros et le plus gras des vers de terre qu'il puisse trouver dans la région. Je ne m'absente pas longtemps. Ah.
véritable festin. Une fois que tu auras englouti ce ver de terre, je te donnerai ta première leçon de vol. Jean Gazou, il avance. C'est une façon assez lombrique de parvenir à ses fins. Est-ce que ça va? Oui. Bon, alors on décampe d'ici. C'est qu'en fait, je suis plus très sûr de vouloir m'en aller. Quoi? Allons, ne sois pas chidicule. Non, mais comprends-moi, il veut m'apprendre à voler. Maz! C'est un peu ça. Sérieux? Il faut vraiment que j'apprenne à voler, moi aussi. Mais je voyais pas mon premier cours de cette façon. La caille canaille, va chercher du secours. D'accord. Le pigeon va maintenant te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent ton nid, gaspillent des plumes et méprisent les volatiles. Une dernière parole? Oui, c'est marrant, je vois bien ma maison d'ici. C'est donc la fin. Tout va s'arrêter le temps d'un simple clignement de paupières. C'est donc la fin. À moins que j'utilise mon parachute. Oui, oui, je sais, parfois j'en fais un peu trop. Ça sent la grosse prise de bec. Mais sans moi, les mecs. Voler. Votre commande arrive. Elle est prête à déguster. Voler. Bande de pivers. Espèce d'odieuse renvoyeuse de voler. Faut que t'arrêtes avec ces jeux de mots qui ne cassent pas trois pattes à un canard. Plume volante de la peur. Oh non. Je ne resterai pas le bec dans l'eau. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais les statues. Je fais plus que les aimer, je les adore. C'est plus que parfait. Et t'aimes cette statue du penseur, toi le Martin Bêcheur? C'est absolument splendide. Et viens voir ce sphinx, c'est mon chef-d'œuvre absolu. Un ravissement extrême est en train d'envahir mon corps tout entier. Bien joué, les gars. Bien joué à toi, cette grosse dinde était dangereuse. Et comme le dit le dicton, un pigeon tragédien vaut mieux que deux moineaux angora. Ou un truc dans le genre. Ouais, là j'ai comme un doute, je suis quand même un peu embêté pour lui. Faut pas, mon pote, il avait les fils qui se touchent. Court-circuit, cuit, court-circuit.